Salut tout le monde, c'est Mangacard. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et il s'agit donc d'une vidéo Dragon Ball Heroes. Et on va s'ouvrir donc une box des DBH des Gumi Part 13. Bon, la box est super grande. Alors c'est des boosters avec une carte et un bonbon. Donc je vais vous montrer la box. Voilà, comme ça vous voyez comment c'est. Hop. Peut-être un peu de bordel. Je vais remettre ma caméra. Ah voilà, il y a 20 boosters. Alors normalement, on va tous se les ouvrir. 20 boosters et il y a 12 cartes à collectionner. Alors je vais juste vous montrer le booster donc de la part 13. Voilà, avec le Vegeta en gold rare. Voilà, ça c'est l'arrière, donc on a la date de péremption. Et je vais juste ouvrir un booster correctement, comme d'hab. Alors, premier booster, je vous montre vite fait le bonbon. J'ai à peine ouvert, ça sent direct l'orange. C'est abusé. Et la première carte, le Son Goku. C'est JPBC3. Et c'est la carte numéro 1. Et c'est une carte promo. Voilà. Et maintenant, on va enchaîner les ouvertures. Donc, je vais ouvrir. Je vais juste sortir les cartes. Ah bah dis donc. Oh là là, elle est super jolie. La Vegeta en gold rare. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Bah ça le fait. Donc il y a une gold et deux rares. Ouais, c'est depuis la part 11. Il y a des golds rares, donc c'est avec des effets dorés sur toute la carte. Contrairement au rare normal. Ça, c'est cool. Troisième booster. On a un bout. Plutôt sympathique. Ah, j'ai fait tomber mes ciseaux. Et du coup, vu que j'ai fait tomber les ciseaux, j'en ai profité en fait pour pré-ouvrir les boosters. Comme ça, on perd un peu moins de temps. Et là, nous avons un Gotrunks. Franchement, elles sont super jolies les cartes. C'est dingue. Hop. Voilà. Piccolo. Chaque fois, c'est quand même bizarre d'ouvrir des boosters Dragon Ball Heroes parce que vu qu'il y en a vraiment, ils sont pas en booster par les promos. On a un Sangohan. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un caillot, je sais plus comment il s'appelle. Tant pis, c'est pas grave. Ah ben voilà, on a une rare, normale. Donc un Gotrunks adulte. Ça c'est cool. Hop. Ça nous en fait 2 sur 3. Ensuite, un Trunks GT. Elle est pas top, hein. Je crois que c'est la carte la plus pourrie qu'on a eue. Ah! Le Goku, la troisième rare. Goku Super Saiyan 3 en GT. Chibi Goku. Ben, ça, c'est cool. Bon, on a eu les trois rares sur la première partie. Donc, les 10 premiers boosters.
Ça, c'est vraiment cool. Et notre Kaioshin. Plutôt sympathique. Moi, je vais ouvrir normalement les 10 autres boosters. Et puis, enfin, je vais les pré-ouvrir. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai re-ouvert les derniers boosters. Hop. Il me manque une seule carte. Donc là, on va avoir masse double. Donc là, déjà une double de notre Kaio. On a Piccolo en double. On a notre Goku aussi en double. Donc vous voyez, si vous arrivez à trouver une box, vraiment vous faites la série entière. Ah, bien! J'ai le Vegeta Gold en double. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Hop. Ah ben voilà, c'est celle-là que j'avais pas. Ouais, c'est le Goten adulte de GT. Donc ça c'est cool. Hop. Pour le fun, on va ouvrir les autres. On a le Bou. 3 boosters. Ah. Un Goten, encore une fois. Un Bou et dernier booster, un Gotrunks enfant. Donc voilà, j'ai plus oublié le booster. Je vais vous faire vite fait une récap. Alors je vous les montre, mais je vous les montre pas dans l'ordre. Je vous montre les règles et après les rares. Donc on a notre Goku. Notre Gohan, hop. Le Gotrunks, notre Goten en GT, hop. J'y arrive, le Trunks GT, Piccolo, on a le Kaio. Bou, voilà. Un autre Kaio, je sais plus comment il s'appelle, et là on passe au rare. Donc on a notre Gotrunks adulte en rare, franchement qui est plutôt sympa. On a notre Sangoku Chibi Super Saiyan 3 de GT en rare. Et pour finir, on a le Vegeta Gold, le Full Gold, qui est super joli, quoi. Ben voilà. Ben j'espère que, je vais placer ça comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. C'est toujours gratuit. À me suivre sur Facebook. Je mets souvent plein de photos de ce que je reçois. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !